Oui, tout à fait. Oui, c'est, on peut rien vous cacher, Jacques Carletto. C'est effectivement la suite, puisque le premier, en fait, permettait de faire sortir la maçonnerie de son schéma habituel pour pouvoir l'intégrer dans le cellulaire. Et qui dit intégrer dans le cellulaire, ça veut dire qu'on n'est plus dans une maçonnerie cérébrale, une maçonnerie de réflexion, mais dans une maçonnerie ressentie, une maçonnerie d'action, une maçonnerie du corps. Et forcément, qui dit corps dit aussi nourriture, les quatre nourritures dont on parlera tout de suite. Eh bien, il faut les sacraliser parce que la maçonnerie repose justement sur la géométrie sacrée. C'est ce qui fait l'essence même, ce qu'on dit l'ADN maintenant, la sacralisation parce que l'univers fonctionne sur des lois et toute la maçonnerie repose sur ça. Le fil à plomb, le niveau à plomb, la lune, le soleil avec les principes d'attraction-répulsion, les principes d'alternance, les principes de renaissance. Tout ça, ce sont les lois qui animent notre univers. Il ne s'agit pas d'une croyance, il s'agit simplement d'une observation. Si ces lois cessent de fonctionner demain matin, on est tous morts, plus rien ne fonctionne. La lumière, ce n'est pas une croyance et une soumission à quelque chose d'extérieur, c'est que la lumière anime, c'est la photosynthèse, ça anime notre univers. Donc le maçon appuie sa pratique sur le respect des lois de l'univers, le sacré. Et les nourritures, eh bien, si elles ne sont pas sacralisées, c'est-à-dire intégrées dans le respect de ces lois, elles ne sont pas dans l'harmonie et l'interaction. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'elles ne peuvent pas être isolées. Tout est en lien, tout est holistique. Voilà, et c'est ça que j'ai voulu démontrer dans cet ouvrage. La couverture de ce livre montre quatre éléments. Et ces quatre éléments, les éléments de la chimie utilisés en alchimie, il y a deux éléments qui sont matériels et solides et deux autres qui sont immatériels. Et c'est la même chose avec les nourritures. On a deux nourritures solides que l'on pratique dans la salle humide après les travaux. Et ces deux nourritures, les maçons les connaissent bien, non, pas du tout. Les maçons se remplissent, se gavent. Mais avec humour, je dis qu'ils finissent par ressembler à Bouddha, non pas dans la sagesse, mais dans la forme, parce que justement, il y a des excès. Donc on boit, on festoie, mais on n'est pas dans l'harmonie, on n'est pas du tout dans un travail de recherche de l'équilibre et de la voie du milieu, ni dans la nourriture liquide, ni dans la nourriture solide. Donc ça, c'est déjà pas vrai. Et à l'intérieur, dans le temple, les deux nourritures immatérielles, que sont la nourriture gazeuse et l'immatériel, la pensée, dans tous les cas, c'est toujours vibratoire. Il ne faut pas oublier qu'on fait une chaîne d'union, mais la respiration est une chaîne d'union, parce que dans un local qui fait 45 mètres cubes, on va en respirer à peu près 6 à 8 mètres cubes. Forcément, on va respirer l'air que l'autre a respiré avant. Donc il y a une nourriture de partage, de digestion, enfin d'ingestion, digestion, excrétion du gaz que le maçon d'à côté à forcément effectuer et qu'on va faire à notre tour et passe à ton voisin. C'est une forme de chaîne d'union, c'est pour ce qui est de la nourriture. Mais l'immatériel, c'est la pensée. Et la pensée n'est pas vraiment orientée en maçonnerie parce que la maçonnerie évolue, a évolué et va continuer d'évoluer. Et je pense qu'il est l'heure maintenant de reprendre nos rituels et d'y associer respiration et réflexion. C'est que les lanceurs de haches, personne ne les connaît ici et tout le monde s'en moque, ça n'a aucun intérêt, c'est parce que c'est microscopique. Et ce que j'ai voulu faire, c'est pas me moquer des lanceurs de haches, c'est une activité physique comme une autre et elle est respectable. C'est simplement de dire, vous ne connaissez pas les lanceurs de haches, eh bien les autres ne connaissent pas les maçons. Et pourquoi ils ne connaissent pas les maçons? Parce que la maçonnerie, elle est enfermée ou dans un folklore, ou dans quelque chose où beaucoup de maçons ont envie qu'elle reste enfermée. Et moi, je ne suis pas hostile non plus à ça. Elle peut très bien rester confidentielle. Plutôt que de dire enfermée, j'ai envie de dire confidentielle. Pourquoi pas? La seule chose, c'est qu'il faut qu'elle devienne multiple, qu'elle se complexifie pour répondre à tous les autres besoins, et qu'elle ne reste pas simplement un folklore. Et c'est pourquoi la maçonnerie doit pouvoir évoluer en intégrant des nourritures. Garder l'essence de la maçonnerie, mais la décliner avec des formes différentes. C'est-à-dire que toute idée qui aujourd'hui nous semble évidente,
Elle franchit toujours des étapes, hein, c'est Schopenhauer qui dit ça très très bien, où personne n'y croit, on finit par y croire, et puis après ça a toujours semblé évident. Eh bien, c'est exactement la même logique. Il y a ce qu'on appelle les signaux faibles. Et les signaux faibles, c'est un farfelu quelque part qui en parle parce qu'il amène l'idée. C'est pas lui qui est, enfin, on se souviendra de lui parce qu'il l'a, il est Vecteur. le vecteur d'innovation, c'est lui qui est le messager qui apporte. Alors, des fois, il finit mal, hein. Je connais un gars un jour qui est arrivé sur Terre, qui a dit tout est amour, bon, là, il a mal fini. En général, ceux qui arrivent, qui sont quelque part des prophètes d'une nouvelle ou technologie ou idéologie, sont pas forcément bien accueillis. Là, moi, j'arrive, je n'invente rien, je ne fais simplement que de souligner des choses qui existent déjà et de dire, ça fait un petit moment que nos rituels sont restés statiques, qu'on se bagarre pour les protéger comme s'ils étaient en danger. Et en fait, la culture, c'est pas quelque chose qu'on protège, pas du tout, non. C'est quelque chose qu'on cultive et qu'on fait développer. Et aujourd'hui, j'ai pas le sentiment que la maçonnerie soit quelque chose qu'on développe. J'ai l'impression qu'on présente ça comme un animal en voie de disparition qu'il faut absolument mettre dans un zoo, entouré de portes blindées et de gardes à l'entrée, comme dans certaines obédiences où pour rentrer, c'est pire qu'à Roissy. Eh bien là, la maçonnerie, il faut l'ouvrir, il faut l'aérer et il faut savoir ce qui ne doit pas être transmis aux profanes. Et pour ça, il faut bien la comprendre. Et pour bien la comprendre, en fait, il faut arrêter d'en faire ou un syndicat ou un café philo, et puis reprendre ce que la France a fait de la maçonnerie, c'est-à-dire une voie initiatique. Il suffit juste de rappeler qu'en France, on fait des initiations en maçonnerie, chez les Anglais, on fait des réceptions. C'est un club où on fait la réception d'un nouveau membre. Chez nous, on fait une initiation. La différence entre les deux, c'est que le premier, on accueille quelqu'un pour faire un groupe. Dans l'autre cas, le groupe va être le moyen pour chacun de faire le premier pas en avant sur le chemin. Et le chemin, ce n'est pas un chemin de marche, c'est un chemin de démarche. Et quand on fait une démarche maçonnique, c'est-à-dire qu'on marche en arrière pour aller vers son cœur. Et ça, ben, il faut redonner du sens et comprendre le langage symbolique. Et pour ça, il faut tout simplement, je répète ça à longueur de livre, faut arrêter d'aller parler des OGM, des caisses de retraite, tous ces sujets fascinants, ou de l'équité entre hommes-femmes et maintenant du wokisme. J'ai rien contre ces sujets-là, je les adore, je passe des journées à écouter, mais je ne vais pas en loge pour faire ça, je n'ai pas besoin d'un tablier, je fais ça tranquillement avec ma robe de chambre. Et là, ce que j'écris dans mes ouvrages, c'est que ou la maçonnerie va mourir parce qu'on en fait un syndicat, ou alors on se réapproprie la maçonnerie et on en fait une voie initiatique. Et à l'heure où les religions disparaissent, et le sens du sacré disparaît, eh bien, il est peut-être l'heure de se poser des questions et de se dire si on rendait vraiment notre maçonnerie initiatique. Et pour ça, il suffit de décortiquer nos rituels, les enrichir, les nourrir et les faire évoluer. Voilà. Eh bien, Franck Foucret, merci pour vos réponses, merci pour ces suggestions que vous faites de nouvelles nourritures, afin que l'on quitte le profane pour atteindre l'initiatique. Bon appétit!